Offrande d'acclamation pour Jésus-Christ. Lamb of praise to the Lord Jesus. Que l'équipe de délivrance nous donne au moins même deux témoignages. Venez, venez. Let the team of deliverance give us at least two testimonies. Une sœur nous a suivis. Nous the étions sister followed us quand nous étions à Yam Sokro. When we were in Yam Sokro. Elle voulait me voir là-bas, elle n'a pas pu. She wanted to see me there, she couldn't. Une jeune dame. A young lady. Après, elle nous a rejoint ici à Abidjan. And after she joined us here in Abidjan, elle disait qu'elle avait le VIH. She said that she has HIV. Et nous lui avons rendu ministère. And we ministered to her. Elle m'a appelé hier. She called me yesterday. Elle est partie faire le test, c'est négatif. She went to make the test. It is negative. Jesus. Que le Seigneur te bénisse. Je suis le frère Ernest Traillet. Je suis disciple du pasteur Meunier. Aide du pasteur Meunier dans le domaine de la délivrance. Je voudrais dire merci à Dieu qui a été fidèle envers nous. Notre Dieu n'a pas changé. Nous étions à Bangourou. Nous sommes partis à Abidjan le jeudi, aux environs de 11h. Nous sommes arrivés aux environs de 15h à Bangourou. L'équipe de délivrants qui était en place déjà à Bangourou, nous avons eu une séance de travail avec cette équipe. La soirée du jeudi. Et nous avons commencé les ministères le vendredi matin. Il faut dire que grâce à vos prières, Dieu a été avec nous. Il nous a soutenus. Et j'ai béni le Seigneur pour le don de ta personne. Une sœur qui était une véritable sorcière, le vendredi soir, quand papa a pris le micro, quand il a commencé la parole, parce que le thème de la convention était le temps de la visitation. Quand il a commencé, cette fille-là, elle est tombée. On s'est retrouvé derrière, elle vomissait du sang. Le vendredi matin, c'était pareil. Donc sa délivrance était vendredi nuit au samedi matin. Donc quand nous avons fini le brisement des liens, Jésus-Christ l'a authentiquement délivré. Pendant qu'on faisait les prières de combat maintenant, dimanche, c'est là qu'on s'entendait maintenant à une manifestation. Elle a prié avec tout son être, aucune manifestation délivrée authentiquement. Jésus. Pour revenir maintenant à la prière du combat spirituel menée par notre dirigeant, quand il a pris la parole, mais ça, c'était à gauche, sa veste ici, sa veste devant, sa veste à droite, sa veste derrière. Nous-mêmes, on était débordés. Acclamation à Jésus-Christ. Acclamation à Jésus-Christ. Clap to Jesus. Notre Dieu est fidèle. Il est bon. Il y a un témoignage qui est très délicat. There is a testimony that is very delicate. Quelqu'un peut penser que c'est pour la vaine gloire. Ce n'est pas la vaine gloire, mais c'est pour montrer l'autre dimension de la réalité de la foi que Dieu nous a donnée. Some people may think that it is a vain glory, but it's not a vain glory. It's just to show the other dimension of the mystery, the minister that the Lord has given us. C'est un témoignage qui nous a permis même de renouveler notre consécration. It's a testimony that allowed us to renew our consecration. Gloire à Dieu. Il s'agit d'une sœur
je préfère ne pas dire le nom, qui travaille à Abangourou. Et son mari se trouve dans une autre localité. Et ils se sont mariés, pas d'enfants. Donc elle suppliait le Seigneur, comme bien d'autres femmes, à la quête d'enfants. Et elle a appris que le dirigeant national, le pasteur Meunier, serait ou bien doit effectuer un voyage dans la région de l'Intenier-Tuablin. Mais l'annonce qui est passée, c'est que nous sommes en période de COVID-19. Les frères ont annoncé qu'ils ne souhaitent pas que les brebis embrassent le pasteur. Donc quand il sera de passage, nous allons juste le saluer à distance et il va partir. La sœur s'est dit dans son fort intérieur, moi je suis convaincu que si l'homme de Dieu vient ici et que je l'embrasse, je suis convaincu que Dieu va me donner un enfant. Jésus-Christ. Jesus. Mais comme les dirigeants ont annoncé, il ne faut pas l'embrasser. Vraiment, si cette loi-là sera violée, elle sera violée par moi. Effectivement, le pasteur était dans la région. Les frères étaient autour, la foule était là. Elle s'est dit, avec cette foule, les gens n'embrassent pas. Je n'ai pas encore vu quelqu'un embrasser le pasteur. Comment je vais m'y prendre? Elle a pris son courage avec ses deux mains, avec l'aide du Saint-Esprit. Elle dit, j'ai faufilé au milieu des frères. Au moment où ils vont s'en rencontrer, j'étais dans les bras du pasteur. Lui aussi, allez. Jésus. C'est de façon instantanée, le pasteur ne s'est même pas rendu compte qu'une brebis était là. Il a seulement ouvert les bras, la sœur aussi, allez. Les deux ensemble. Elle a dit dans son cœur, tout est accompli. Maintenant, il faut passer maintenant à l'accomplissement de la chose. Son mari n'est pas à Bangourou. Son mari est dans une autre localité. Notre Dieu est tout puissant. Dieu, dans sa grâce... Dis-tu qu'il y a un détail que tu as sauté. En fait, le frère a dit que la sœur ne pouvait pas concevoir. Effectivement, il dit qu'elle a eu un songe dans lequel une femme à la porte a introduit sa main dans son ventre pour enlever quelque chose. Et elle a reçu qu'elle ne pouvait pas concevoir. Et effectivement, il n'y avait pas de grossesse. Donc c'est ce détail-là que je voulais ajouter pour confirmer qu'effectivement, la sœur avait eu une oppression qui empêchait qu'elle conçoive. Merci beaucoup. Et donc, Dieu dans son amour a organisé un mariage dans la localité où son mari se trouvait. Et c'est un mariage des proches de la sœur. Donc naturellement, elle doit se rendre dans la localité de son époux. Donc elle est partie. Elle a rencontré son époux. Ce qu'un homme et une femme doivent faire, ça s'est passé. Acclamation à Jésus-Christ. Jésus-Christ. Des hommes mariés. Je n'ai pas dit les gens qui s'amusent au dehors. Alléluia. La sœur rentre à Bangourou. Une petite fièvre s'est manifestée. Elle va à l'hôpital. Le médecin dit, fais une échographie. Elle fait l'échographie, tu es enceinte. Jésus. Jésus, 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 Jésus. Amen. Pendant qu'elle rendait le témoignage, nous l'avons vu dimanche matin avec ce petit ventre dans une robe qui faisait
qui dessinait la rondeur du ventre. Nous bénissons le Seigneur qui conduit son outil avec nous. À lui soit toute la gloire au siècle des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci beaucoup. Thanks a lot. Frère, Dieu nous a donné le ministère de la santé. Brethren, the Lord has given us the ministry of health. Il faut beaucoup prier. We just have to pray a lot. Pour que cela se manifeste dans toutes les assemblées. For it to be manifested in all our assemblies. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. From the north to the south, from the east to the west. Dans notre ministère ici en Côte d'Ivoire. In our ministry here in Côte d'Ivoire. Dans chaque assemblée. In each assembly. Le Saint-Esprit va se manifester. The Holy Spirit is going to be to manifest. Il y aura des délivrances et des guérisons inhabituelles. There will be unusual deliverances and healings. Ça, c'est des choses qu'on lit dans la Bible. These are things that are read in the Bible. Nous les touchons maintenant. We now touch them. Et le détail que les frères ont sauté, c'est que elle avait le ventre qui bougeait. Elle était le ventre lui faisait mal presque. One of the details that has been skipped is that Elle dit que le ventre tournait, ça bougeait. She had a pain in her stomach. It was moving and moving. Mais dès qu'elle a embrassé, as soon as she hugged, tout s'est arrêté. All stopped. Frère, n'y a que Jésus qui peut faire ça. Brethren, it's only Jesus who can do this. Parce qu'on ne savait même pas qu'une petite fille en Christ recherchait la guérison. Because we did not even know that a little daughter in Christ was seeking healing. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? C'est pas quelque chose qui vient que j'ai beaucoup jeûné ou j'ai beaucoup prié. Ça vient, c'est le don de Dieu. It's not something that came is a result of the fact of fasting a lot and praying a lot. It's a gift from God. On est heureux quand on sait que ça vient de Dieu. We are happy when we realize that this is from God. Je ne voulais pas qu'on rende témoignage à cause du il y a beaucoup de personnes qui sont tentées dès que Jésus agit, on va attribuer ça à un homme. I did not want this testimony to be given because there are so many people when as soon as Jesus works a miracle, they want to attribute it to man. Moi, je ne le ferai jamais. I will never do it. Parce que Jésus va faire des grandes choses encore. Because Jesus is going to do greater things. Si on commence à voler sa gloire, il va arrêter. If you start stealing his glory, he will stop. Je voulais que les frères apprennent que les choses qui sont dans la Bible s'accomplissent encore. I just wanted the brethren to know that the things that are written in the Bible are still being accomplished today. L'ombre de Pierre, l'ombre. The shadow of Peter, only the shadow, healed the people. C'est pas que Pierre a dit placer les gens sous mon ombre. C'est que les gens ont cru que si l'ombre de Pierre les touchait, ils allaient guérir. It is not that Peter told people to bring the sick people in his shadow, but they believed that these people themselves believed that if they come to the shadow of Peter, they will receive healing. Donc ne prends pas une bouteille d'eau, tu bénis, tu dis à quelqu'un bois. Non. So do not take là, c'est toi qui crée ça. A bottle of water and bless it and tell someone drink it. No, you are the one creating this. Si quelqu'un croit que si je touche le pasteur, je serai guéri, pas que le pasteur dit venez me toucher. It's not that the pastor tells people come and touch me, but if someone believes that if I touch the pastor, I will receive healing. Then he can touch him.
Ce détail est très important par rapport au thème de ce soir. This detail is very important as it is related to the topic of tonight. Un jour, one day, j'ai reçu un couple. I received a couple. Or, la sœur avait dit à son mari que comme mes menstrues se sont arrêtées depuis. But the sister told her husband that as my menses, my periods have stopped long ago. Et comme nous avons rendez-vous avec le pasteur. As we are going to, we have an appointment with the pastor. Si je l'embrasse. If I hug with him. Mes menstrues vont revenir. My menses will come back. Moi, je ne savais pas. I didn't know. On a travaillé. We worked. Ils sont rentrés. And they went back C'était home. Mercredi. It was a Wednesday. Jeudi, elle m'appelle. On Thursday, she called me. Qu'elle s'est revenue. That her periods Est-ce que voici ce que j'avais dit à mon mari. And she shared with me what she told her husband. Donc, ce ne sont pas des faits isolés. C'est l'esprit de Jésus n'a pas changé. So these are not isolated facts. The spirit of Jesus has not changed. C'est pour cette raison que je vous annonce que dans toutes les assemblées. That's why I'm telling you that in all the assemblies. Tous les champs de mission. On all the mission fields. Vont vivre les miracles de Jésus. They will experience the miracles of Jesus. C'est un don de Dieu pour l'église de Côte d'Ivoire. It is a gift of God to the church of Côte d'Ivoire. Notre communauté pour ceux qui sont là pour la première fois. Our community for those who are here for the first time. Notre communauté devait recenser les miracles. Dans nos églises à travers le monde. Our community was to make, to list the miracles of our church throughout the world. Nous avons recensé plus de 4000. We listed more than 4000. Plus de 3000 viennent de Côte d'Ivoire. More than 3000 stem from Côte d'Ivoire. Tu peux être en train de m'écouter là. Ta vie change en même temps. You can be listening to me while sitting there and your life changes on the spot. C'est Jésus qui fait. It is done by Jesus. Tu peux rentrer. You can get in. Et puis tu vois en vision que les docteurs de Dieu viennent te chercher pour aller enlever un cancer rebelle. And you can see in a vision that the doctors of God comes to take you and go and remove a cancer, a rebellious cancer. Et quand tu te réveilles, tout est parti. And when you get up, everything is gone. Donc vivez en croyant. So live by believing que Jésus n'a pas changé. That Jesus has not changed. Vivons. Let us live en croyant. Believing que Jésus nous utilise. That Jesus uses us. Quand tu es tenté, when you are tempted, refuse de pécher. Refuse to sin. Dis, je suis un instrument. Say, I am a tool. Entre les mains de Dieu. Within the hands of God. Je refuse d'être fou. I refuse to be mad. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? La marche par la foi. Walking by faith. Si tu es un évangéliste. If you are an evangelist. Si tu n'as pas saisi. If you have not laid hold. Le modèle évangélique. Of the evangelical model. Que le Seigneur nous a donné. That the Lord has given us. Tu as perdu. You have lost. Qu'est-ce que moi j'ai fait? What did I do? Quand le frère Zach a commencé à enseigner le salut total. When Brother Zach started teaching total salvation. J'ai saisi ça. I laid hold of it. Par la foi. Through faith. Et le frère Zach a commencé à organiser le week-end de salut et de guérison. And Brother Zach started organizing weekends of salvation and healing. J'ai saisi. I laid hold of it. Je me suis mis à l'imiter. I started imitating him. Même en tremblant. Even while shaking.
Quand je vois les enfants comme Basile, ils n'imitent pas ce que je fais, ils n'est pas dans la vision. When I see children like Basile, who is not imitating what I'm doing, he's not in a vision. J'ai imité le frère, je prêche, je dis aux gens de donner vos vies à Jésus. Ils donnent la vie à Jésus, je dis vous allez recevoir la guérison maintenant et la délivrance. I imitated Brother Zach. I used to tell people, I preach and tell them to give their life to Jesus. And when they give their life to Jesus, I tell them that you will receive healing here now on the spot. Au début, in the beginning, je me disais, bon, si ça ne marche pas, je fais comment? I used to tell myself, if it doesn't work, how am I going to do? Nous étions à Benjaville. We were in Benjaville. Quelqu'un dit quand on priait, il a senti sa colonne vertébrale se tirer, crac, et puis il est guéri. Somebody was saying that when we were praying, he heard a noise in his backbone and he was saved. Je me suis dit, ah bon? I told myself, okay. Donc ça marche. So it works. Après, j'avais entendu le frère dire, la responsabilité de Dieu, c'est de guérir, c'est de l'homme, c'est de rendre témoignage. J'ai dit, moi aussi, je vais répéter la même phrase. And after I heard Brother Zach saying that the responsibility, the duty of God is to heal and that of man is to testify. And j'ai dit, venez rendre témoignage. I said, okay, I will testify. La responsabilité de Dieu, c'est de guérir, c'est de l'homme, c'est rendre témoignage. The duty of God is to heal and that of man is to testify. Après, je vois un rang. Je vois un rang. And after I saw a line, j'avais mal ici. I had a pain here. Quand on priait, c'est parti. When we were praying, it went. J'ai dit, ah, Dieu vivant. I said, okay, God is alive. Faites ça, missionnaires. Do it, missionaries. Je le fais par la foi. I do it by faith. Ça glorifie Dieu. And it glorifies God. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? C'est pour cette raison que j'aime dire offrande d'acclamation pour Jésus-Christ. That's why I used to say clap offering to Jesus. Ça permet aussi de garder Jésus dans les pensées. It also allows us to keep Jesus in the thoughts. Et de grandir. And to grow. Si nous sommes fidèles dans les petites choses, if you are faithful in little things, Dieu va donner les grandes choses. Jesus will give us, the Lord will give us greater things. Croyez que Jésus habite en nous. Believe that Jesus lives in you. Et qu'il travaille tous les jours. And he works all days. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Et que c'est lui qui travaille. And that he is the one who works. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Nous allons donner une série d'enseignements sur la foi. We are going to give a series of teaching on faith. Aujourd'hui, nous allons voir la vraie foi en opposition à la foi naturelle. Today we are going to talk about true faith and compared to natural faith. Vous notez ceci. Note this. La vraie foi est celle qui vient de la parole. True faith is the one that stems from the word. Celle qui est créée en nous par la puissance du Saint-Esprit. That faith which is created in us through the power of the Holy Spirit. La vraie foi, true faith, tient son origine en Dieu. Originates from God. La vraie foi tient son origine en Dieu. True faith originates from God. Et elle ne porte rien en elle qui contredise la parole de Dieu. And it bears nothing in it that is against the word of God. Elle ne porte rien en elle qui puisse contredire la pensée ou la morale de Dieu. It bears nothing in it that is against the thought and the moral of God. La vraie foi vient de la parole de Dieu. True faith stems from the word of God. Romains 10, verset 17. Romans 10, verse 17. Et si donc la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Therefore, faith comes from what we hear, and what we hear is from the word of God.
Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. What we hear is from the word of God. La vraie foi, true faith, grandit dans l'obéissance. Grows in obedience. La vraie foi grandit dans l'obéissance. True faith grows in obedience. Et la vraie foi rend les hommes sensibles à la voix du Saint-Esprit. And true faith brings men, leads men to be sensitive to the word of, to the voice of God. La vraie foi rend les hommes sensibles à la voix du Saint-Esprit, sensibles à la direction du Saint-Esprit. True faith brings men to be sensitive to the direction of the Holy Spirit and to the voice of God. La vraie foi, true faith, révèle Dieu et la puissance de Dieu. Reveals God and the power of God. Elle est donc un don de la grâce de Dieu. It is therefore a gift of the grace of God. Elle est une vertu. It is a virtue. Du fruit de l'esprit. Of the fruit of the spirit. La vraie foi est suscitée par la parole de Dieu. True faith is raised up by the word of God. Elle est différente de la foi naturelle. And it differs from natural faith. La foi naturelle est inspirée par les circonstances. Natural faith is inspired by circumstances. Par la sagesse humaine. By human wisdom. De même que la parole de Dieu crée la foi de Dieu, la vraie foi. As the word of God raises or creates true faith. La parole de l'homme. The word of man. Ou la parole des hommes. Or the word of man. La parole de la sagesse humaine. The word of the human wisdom. Crée aussi une foi. Also creates a faith. Mais c'est une foi naturelle. But it is a natural faith. Ce n'est pas, or nous sommes spirituels. Whereas we are spiritual. Ce qui nous faut, c'est la foi spirituelle. What we need is spiritual faith. C'est la vraie foi. True faith. C'est pas la foi naturelle. Not natural faith. La foi naturelle dépend de ce qu'on pense. So, natural faith depends on what we think. De ce qu'on imagine. It depends on what you imagine. De ce qu'on voit. It depends on what you see. Vous savez, Naaman a eu la foi qu'il pouvait guérir de sa lèpre. You know, Naaman got faith. He had faith that he could be healed from his leprosy. Il a même effectué un grand voyage. He even had a big trip. En gardant les dons. By keeping the gift. The dons au prophète. He brought gifts to the prophet. Quand le prophète lui a dit d'exercer la vraie foi. When the prophet told him to exercise true faith. Il s'est mis en colère. He became angry. Parce qu'il était dirigé par la foi naturelle. Because he was led by natural faith. Il avait imaginé qu'à son arrivée. He imagined that when he get there. Le prophète allait sortir de la maison. The prophet will come out of the house. Et le prophète allait invoquer l'Éternel. And the prophet will call upon the Lord. Et le prophète allait agiter la main sur sa lèpre. And the prophet will lay hand on his leprosy. Et la lèpre allait disparaître. And the leprosy will disappear. Et c'était une foi naturelle, charnelle. And this was a natural and carnal faith. Fondée sur une imagination. Grounded on an imagination. Beaucoup, many, ont cette foi-là. Have that faith. Je croyais que. I believed that. Je pensais que. I thought that. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? La foi qui sauve. Faith that saves. C'est la foi qui vient de Dieu lui-même. Is the faith that stems from God C'est himself. La foi que sa parole crée en nous. It is the faith that his word raises in us. C'est la foi qui vient de son esprit. It is the faith that stems from his spirit. La foi qui est suscitée par la parole de Dieu est différente de la foi naturelle. Faith that is raised by the word of God differs from natural faith.
Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? La foi naturelle, natural faith, est la foi de ceux qui n'ont pas encore cru en Jésus-Christ. Is the faith of those who have not yet believed in Jesus. Parce qu'en fait, par définition, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Because in fact, faith is defined as a firm assurance of things in which you hope. Donc même un être humain peut te faire avoir la foi. Il peut te faire des promesses et tu crois ça. So even a human being can bring you have faith. He can make some promises to you and you believe them. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Ceux-là, c'est-à-dire ceux-là qui n'ont pas encore cru en Jésus. Those ones who have not believed in Jesus yet. Ils veulent toujours voir une petite démonstration de la puissance de Dieu avant d'avancer. Always want to see a little demonstration of the power of God before moving forward. Avant de s'engager. Before being committed. Avant de risquer. Before risking. Ils veulent quelque chose qui les rassure. They want something that ensures them. Lis pour nous read for Jean us. Chapitre 6, verset 30. John chapter 6, verse 30. Quel miracle fais-tu donc, le dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Amen. Therefore, they said to him, what sign will you perform then, that we may see it and believe in you? What work will you do? Amen. Vous voyez comment parle la foi naturelle. See how natural faith speaks. Quel miracle fais-tu donc? What sign will you perform then? Lui dit-il. That they said to him. Afin que nous le voyions. That et we que may nous croyons en toi. That we may see it and believe you. Il y a la foi naturelle, c'est la foi des païens. Natural faith is the faith of unbelievers. Ils sont là. They are there. Ils vont à l'église. They go to church. Ils ne disent pas que Dieu n'existe pas. They do not say that God doesn't exist. Les gens pensent qu'avoir la foi, c'est savoir que Dieu existe. The people think that having faith is just knowing that God exists. C'est plus que ça. It is more than that. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Quel miracle fais-tu donc? What miracle do you perform? Ça, ils disent à Jésus, nous voulons croire. That is, they are saying, they are telling Jesus, we want to believe. Mais notre foi demande que tu fasses quelque chose comme ça, ça va nous accrocher. But our faith requires that you do something that we will cling to. Ça, c'est la foi des païens. This is the faith of unbelievers. La foi naturelle. Natural faith. N'est pas agréable à Dieu. Which is not pleasant to God. Quel miracle fais-tu? What miracle do you perform? Je suis malade. Si je guéris, je veux croire. I am sick. If I get healed, I will believe. Et je veux servir Dieu. And I will serve God. Si Dieu me guérit vraiment, je veux le servir. If God heals me, really, I will serve him. La foi des païens. The faith of unbelievers. Guéris-moi d'abord. Heal me first. Et je veux croire en toi. And I will believe in you. Ça, c'est la foi des païens. This is the faith of unbelievers. Ça, c'est la foi des païens. Faith, the faith of unbelievers. Ne dis pas que j'ai la foi. No more say that I have faith. Pose-toi la question. Just ask yourself the question. Ma foi là. My faith. Est-elle la vraie foi ou la foi des païens? Is it the true faith or that of the pagans? Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Lis pour nous. Read for us. Isaïe 53, verset 1 à 6. Isaiah 53, verse 1 to 6. Ce passage nous montre comment Jésus a porté nos péchés. This passage shows us how Jesus bore our sins. Vas-y. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une feuille plante, comme un rejeton qui sort
d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Amen. Vous voyez ici comment le Seigneur Jésus porte nos péchés sur la croix. How the Lord Jesus bore our sins on the cross. Et les prophètes l'avaient annoncé. And prophets said it beforehand. Mais les Juifs pensaient qu'ils étaient des croyants, qu'ils avaient la foi. But the Jews believed that they thought that they were believers and that they had faith. Mais ce qu'ils avaient, c'était la foi des païens. But what they had was the faith of unbelievers. Lis pour nous Marc 15, verset 32. Read for us Mark 15, verse 32. Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. Amen. Let the Christ, the King of Israel, descend now from the cross, that we may see and believe. Even those who were crucified with him reviled him. Amen. Jésus porte les péchés des pécheurs. Jesus bears the sins of sinners. Et les Juifs lui disent, and Jews told him, nous voulons croire en toi. We would like to believe in you. Mais descends d'abord de la croix. On voit comment tu descends de la croix et puis on va croire. But first of all, come down from the cross for us to see and that we and then believe. Écoute très bien, je n'ai jamais prêché ce message. Listen carefully, I have never preached this message. Le Seigneur veut te convaincre. The Lord wants to convince que tu n'as jamais cru. That you have never believed. Si tu es humble, if you are humble, si tu reconnais, if you acknowledge, et que tu dis Seigneur, and say Lord, c'est vrai, it is true, je n'ai jamais cru. Je n'ai jamais cru. I've never believed. Il va frayer un chemin pour toi. He will pave a way for you. Vous voyez les impies, les pécheurs. You see the ungodly, the sinners. Que le Christ descende de la croix, que nous voyons et que nous croyons en lui. Let the Christ come down from the cross for us to see and believe him. C'est ce que leur foi demande. That's what their faith requires. Mais la parole dit. But the word says. Le Seigneur n'avait rien pour attirer les regards des hommes. The Lord had nothing to attract the sight of men. Si tu attends que le Seigneur t'épate d'abord. If you are expecting the Lord to impact you first. Que le Seigneur vienne avec bruit. That the Lord comes noisily. Afin que tu puisses croire en lui. For you to believe in him. Tu as perdu. You have lost. Il ne le fera jamais. He will never do it. Il dit le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper les regards. He says the Kingdom of God does not come in a way to strike the eyes. Mais il est ici maintenant. But it is here now. Là où tu es assis là. Where you are sitting now. Si on ouvre tes yeux. If we open your eyes. Tu verras la gloire de Jésus. You will see the glory of Jesus. Mais il ne fera rien. But he will do nothing. Pour t'attirer à lui. To attract you. Par des voies charnelles. Through carnal ways. Il a dit le juste vivra par la foi. He said the just shall live by faith. Mais cette foi là, but that faith vient de lui-même. Comes from himself. Vient de sa parole. It stems from his word. Vient de son esprit. It stems from his spirit. Et c'est une foi qui sanctifie. And it is a faith that sanctifies. C'est une foi qui produit la puissance et la force. It is a faith that produces the power. Elle ne dépend pas des éléments extérieurs. It does not come through external things. La foi naturelle a toujours des liens avec le doute, avec la peur. Natural faith
is always related or connected to doubt and fear. Elle ne peut pas permettre d'aller loin dans la marche avec Dieu. It cannot allow to go forward in the walk with God. Elle ne peut pas te permettre d'évoluer à la vitesse de Dieu. It cannot allow you to evolve at the speed of God. Parce qu'il règne toujours dans l'esprit du pécheur. Because always in the spirit of the sinner, la peur, there is fear, de risquer pour Dieu. And he's always afraid to risk for God. Si tu dis à un pécheur, if you tell a sinner, tu vis dans le concubinage, you live in concubinage, arrête, stop, Dieu va te bénir. God will bless you. Il ne voit pas comment la bénédiction peut venir. He cannot see how blessing will come. Il ne voit pas comment il peut arrêter la corruption et devenir un homme béni. Il ne voit pas le lien entre la sainteté et la gloire de Dieu. He cannot see how he can stop the corruption and be blessed. He does not see the link between corruption and the glory and the blessing of God. Jésus a dit à un jeune homme, Jesus told a young man, vendre tout ce que tu as, donne aux pauvres, viens, on va aller prêcher l'évangile. Go and sell all that you possess and give it to the poor, come and let us go preach the gospel. Il est devenu triste. He became sad. D'abord, il a refusé. First of all, he refused. Il ne s'est pas arrêté là. He did not stop there. Mais il était triste. He became sad. Mais il avait la foi naturelle. But he had natural faith. Il voulait suivre Jésus. He wanted to follow Jesus. Avec un appui sur les richesses. By leaning on riches. Jésus l'amenait là où il faut marcher sans richesse. Jesus was taking him to where he was to walk without riches. S'il avait obéi, if he obeyed, son nom allait être connu parce que son nom n'est même pas dans la Bible. His name would have been known because even his name is not in the Bible. On sait que Zachée a voulu voir Jésus. Zachée, on le connaît. We know that Zacchaeus wanted to know Jesus. Lui, we know him. Il est parti, il a disparu. C'est fini. But he went and disappeared. Que le Christ descende de la croix. Let Christ come down from the cross. Le Seigneur veut te dire que tu n'as pas cru. The Lord wants to tell you that you didn't believe. Tu n'es même pas encore prêt. You are not even ready. Tu n'as pas encore décidé de perdre quelque chose pour Jésus. You have not even decided to lose something for Jesus. Tu veux gagner tout. Tu gagnes la religion, tu gagnes Jésus. You want to win everything. Win religion, win Jesus. Tu gardes le copain, tu gardes la copine, tu gardes telle corruption. Tu gardes tout et tu avances avec l'église. You want to keep your boyfriend or your girlfriend and corruption and go forward with Jesus. Il règne toujours dans l'esprit du pécheur une frayeur inexplicable. It always reigns in the spirit of the sinners fright that cannot be explained. Une frayeur de tribulation et de la lutte. La lutte qui nous oppose aux forces des ténèbres. A fright and a tribulation and a fight against the forces of darkness. Lis pour nous Jean 16, verset 33. Read for us John 16, verse 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Amen. These things I have spoken to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulations, but be of good cheer, I have overcome the world. Amen. Vous aurez les tribulations dans le monde. You will have tribulations in the world. Prenez courage. Take courage. J'ai vaincu le monde. I have overcome the world. Prenez courage. Be of good J'ai cheer. J'ai vaincu le monde. I have overcome the C'est world. Comme ça que Jésus parle à ceux qui ont la foi authentique. That's how Jesus speaks to those who have genuine faith.
Prenez courage. Take courage. J'ai vaincu le monde. I have overcome the world. Vous aurez des tribulations you dans le monde. Will have tribulation in the world. La foi authentique, genuine faith, ne fuit pas les tribulations. Does not flee tribulation. Elle ne fuit pas les difficultés. It does not flee difficulties. Et Jésus n'enlève pas les difficultés devant ceux qui ont la foi authentique. And Jesus does not remove difficulties before those who have genuine faith. Parce qu'il sait qu'ils vont triompher par la foi. Because he knows that they will overcome by faith. Et ils ont toujours triomphé. And they have always overcome. Ils ont toujours triomphé. They have always triumphed. La foi naturelle, natural faith, ne peut pas accepter l'idée selon laquelle le Seigneur Jésus est le seul chemin. Natural faith cannot accept the idea that Jesus is the only way. Et qu'il faut se séparer radicalement de tout péché pour marcher avec lui. And that we need to be separated from, radically separated from all sins and walk with him. Qu'il faut abandonner les plaisirs de la chair et les plaisirs du monde. That we need to abandon the pleasures of the flesh, the pleasures of the world. Si tu enseignes à un païen, if you teach an unbeliever, que Jésus demande tout son être, that Jesus demands all his being, il ne va pas accepter. He will not accept. Une femme m'a dit, a woman told me, si Dieu pouvait accepter, if God could accept, que je cherche le bois de chauffage, je lui donne, that I seek firewood and give him, je puise de l'eau, je lui donne, I fetch water and give him, je prépare la nourriture, je lui donne, and cook food and give him, et je vais me promener, and I will wander, j'allais accepter Jésus. I would have accepted Jesus. Elle a la foi. She has faith. Mais c'est la foi des païens. But this is the faith of pagans. La foi des païens. The faith of unbelievers. Donner le bois à Dieu. Giving firewood to God. Et aller vivre son plaisir ailleurs. And go to live in your pleasures elsewhere. Beaucoup pensent que Dieu a besoin de la dîme et des offrandes. Many think that God needs their tithes and offerings. Et il s'arrange à payer ça fidèlement. So they make all the effort to pay it faithfully. Et ils s'en vont trouver le plaisir dans d'autres choses. And they go and find pleasures in other things. Ils peuvent vivre dans l'immoralité. They can live in immorality. Ils peuvent vivre dans les rancunes. They can live in bearing grudges. La colère. In anger. La haine. Hatred. Les animosités. Animosities. Mais la dîme, ils payent. But they pay their tithe. Jésus a dit aux pharisiens. Jesus told the Pharisees. Vous payez la dîme. You pay the tithe. Mais vous oubliez la miséricorde. But you forget mercy. Vous payez la dîme du cumin, vous payez la dîme de la menthe. You pay the tithe of the et vous avez oublié. And you forget la miséricorde, the mercy, la justice de Dieu, and the justice of la God, la fidélité, the life of disciple. La foi naturelle, natural faith, ne laisse pas le péché, does not keep sin. Elle attend que un miracle se produise pour qu'il puisse quitter maintenant le péché, sachant qu'il va gagner quelque chose. It waits for the miracles to be performed and then leave faith, leave sin, expecting to win something. La foi naturelle est une foi morte. Natural faith is a dead faith. C'est la foi de ceux qui ne sont pas convertis. It is the faith of those who are not converted. De ceux dont les cœurs ne sont pas convertis à Dieu. Of those ones whose heart are not converted to Jesus. Mais qui essaient de suivre Jésus. But who try to follow Jesus. Malgré le fait qu'ils ne sont pas convertis. Despite the fact that they are not converted. Ceux qui demandent à Jésus le pain là, ils le suivent. Those who ask a bread from Jesus, they follow him. Mais ils disent à Jésus, fais un peu un miracle, comme ça on va bien croire. And they say, perform a few miracles so that we can believe. La foi naturelle est comparée par l'apôtre Jacques à la foi des démons. Natural faith is compared by Apostle James
to the faith of demons. Lis pour nous Jacques chapitre 2 verset 14 à 20. Read for us James chapter 2, reading from verse 14 to 20. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en a ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Amen. What does it profit, my brethren, if someone says he has faith but does not have works? Can faith save him? If a brother or sister is naked and destitute of daily food, and one of you says to them, depart in peace, be warmed and filled, but you do not give them the things which are needed for the body, what does it profit? Thus also faith by itself, if it does not have works, it is dead. But someone will say, you have faith and I have works. Show me your faith without your works, and I will show you my faith by my works. You believe that there is one God. You do well. Even the demons believe and tremble. But do you want to know, oh foolish man, that faith without works is dead? Amen. Hallelujah. Praise the Lord. La foi authentique. Genuine faith. Quand tu as la foi authentique, when you possess genuine faith, quand ta foi est fondée sur la parole de Dieu, when your faith is grounded on the word of God, ta vision de Dieu et de l'œuvre de Dieu est claire. Your vision of God and of the word of God is clear. On ne peut pas te tromper. You cannot be deceived. La vraie foi crée la fidélité. True faith creates faithfulness. La vraie foi crée l'attachement à la vision de Dieu. True faith creates attachment to the vision of God. Parce que la vraie foi te fait contempler Dieu en esprit chaque jour. Because true faith brings you to behold God in spirit every day. Et lis pour nous 2 Corinthiens chapitre 3 verset 14 à 16. Read for us 2 Corinthians chapter 3, reading from 14 to 16. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament et ne se lèvent pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur le cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Amen. But their minds were blinded, for until this day, the same veil remains unlifted in the reading of the Old Testament, because the veil is taken away in Christ. But even to this day, when Moses is read, a veil lies on their heart. Nevertheless, when one turns to the Lord, the veil is taken away. Amen. Psalm 16, verset 8. 16, verse 8. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Amen. I have set the Lord always before me, because he is at my right, and I shall not be moved. Actes 26, verset 19 à 20. Acte 26, reading from verse 19 to 20. En conséquence, roi Agrippa, je ne pouvais résister à la vision céleste. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée
et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Amen. Therefore, King Agrippa, I was not disobedient to the heavenly vision, but declared first to those in Damascus and in Jerusalem and throughout all the region of Judea, and then to the Gentiles, that I should repent, turn to God, and do works befitting repentance. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que nous voyons ici? L'apôtre Paul avait une vision claire de l'œuvre de Dieu. We can also see here that Apostle Paul had a clear vision of the work of God. Il dit qu'il a obéi à la vision céleste. He said that he obeyed the heavenly vision. Il y a des gens qui ne savent même pas ce qu'on appelle vision céleste. There are people who even do not know what we call heavenly vision. Paul dit que Dieu lui a montré même la vision de comment on prêche ce qu'on dit. Paul says that even God showed him the vision of how we preach and how we live. Il dit qu'il a prêché la repentance, il a prêché la conversion à Dieu. He said that he preached repentance and conversion to God. Et la foi authentique en Jésus. And genuine faith in Jesus. Il dit qu'il exigeait aux hommes de porter le fruit digne de la repentance. He said that he demanded men to bear fruits worthy of repentance. Il est resté attaché au modèle céleste de l'évangélisation. He remained attached to the heavenly model of evangelization. Quand on a une foi démoniaque, when we have a demonic faith, quand on dit la vérité, ça nous choque, ça nous énerve. When the truth is preached, we are shocked and we are upset. Incapable de saisir la vision de Dieu. Unable to lay hold of the vision of God. Il y a déjà certaines personnes pensent qu'elles sont baptisées. Some people think that they are baptized. Alors qu'on a jeté les gouttes d'eau sur leur tête. Though they have just put some drops of water on their head. Ils ont vu ça dans quelle vision? In which vision did they see this? La Bible dit que Jésus est entré dans l'eau. The Bible says that Jesus entered the water. Et Jean-Baptiste l'a baptisé. And John the Baptist baptized him. La parole dit que Jean-Baptiste baptisait les gens après la repentance. And the word says that John the Baptist baptized the people after repentance. Il exigeait même. He demanded. Il disait portez donc le fruit digne de la repentance. He said that bear fruit befitting repentance. Et c'est ce que Paul fait aussi. And that's what Paul also does. Et il rend témoignage. And he testifies. Qu'il n'a pas résisté. That he didn't resist. À la vision céleste. The heavenly vision. Toi. You. Tu as résisté à quoi? What did you resist? Pendant que nous étions à Abanguru, while we were in Abanguru, le Saint-Esprit m'a révélé qu'il y a quelqu'un. The Holy Spirit revealed to me that there was somebody qui a fui la CMC, who went away, who fled the CMFI, parce qu'on lui a demandé de se faire baptiser. Because he was required to be baptized. J'ai demandé que cette personne vienne. I asked that person to come. Après, and after, l'esprit m'a conduit à dire, the spirit of the Lord led me to say, avançons. Let us go forward. La personne pourra nous chercher après. The person will seek us later. À la fin, at the end, j'étais dans la voiture. I was in the car. Quelqu'un s'est présenté. Somebody came. Il dit pasteur. He said pastor. La révélation parlait de moi. The revelation was about me. J'avais fui, je suis parti même que je ne reviens plus à cause du baptême. I fled and went away, decided not to come anymore because of the baptism. Et maintenant j'accepte. But now I accept. Acclamation à Jésus-Christ. Clap to Jesus. Il a résisté à la vision céleste. He resisted the heavenly vision. Il était en train de résister à la vision céleste. He was resisting the heavenly vision. Il a cru. He believed. Il devait maintenant recevoir le baptême. And he was to be baptized. Et il pensait qu'il est baptisé. And he thought that he was baptized. Quand on n'est pas attaché à la vision céleste, when you are not attached to the heavenly vision,
Tu peux être là croyant que tu es baptisé alors que tu n'es pas baptisé. You can be there believing that you are baptized though you are not baptized. Quand on prend un homme ou une femme, when we take a man and a woman, qui ne s'est pas repenti, who has not been repented, on les baptise and baptize them. On ne connaît pas la vision céleste. We don't know the heavenly vision. On ne connaît pas la vision céleste. We don't know the heavenly vision. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Il y a une manière. There is a way. Il y a des choses que tu dois faire. There are things that you must do pour que le ciel t'accepte comme quelqu'un qui se convertit. For heaven to accept you as someone who is converted. Il y a trois choses fondamentales. There are three basic things. Tu dois croire. You must believe que Jésus est le seul chemin. That Jesus is the only way. Il ne discute pas avec toi. He does not argue with you. Si tu veux, tu crois. Tu veux, tu ne crois pas. If you want, you believe. You don't want, you don't believe. Il dit, je suis le chemin. He says, I am the way. La vérité. The truth. Et la vie. And the life. Nul ne vient au Père que par moi. No one can come to the Father except through me. Tu peux croire ce que tu crois. If you can believe what you want to believe. Mais Jésus t'attend. But Jesus is waiting au for jour you. Du jugement. On the day of judgment. Pour te démontrer. To demonstrate to you. Que tu avais manqué de sagesse. That you missed wisdom. Tu avais manqué de sagesse. You missed wisdom. Deuxième chose. Second thing. La repentance envers Dieu. Repentance toward God. La repentance envers Dieu. Repentance toward God. Jésus a versé le sang. Jesus shed blood. Pour que quiconque s'approche de Dieu. So that whoever comes near God. Pour confesser ses péchés. To confess his sins. Obtienne le pardon de Dieu. Receive the forgiveness of God. Car sans effusion du sang. For without blood shedding. Il n'y a pas de pardon de péché. There is no forgiveness of sin. Et Jésus a versé le sang. And Jesus shed his blood. Tous les êtres humains. All human beings. Doivent se repentir. Must repent. Doivent se repentir. They must repent. Lisez pour nous. Read for us. Acte 17 verset 30. Acte 17, verse 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Amen. Truly, these times of ignorance God overlooked, but now commands all men everywhere to repent. Amen. Dieu oublie. God overlook ton passé. Your past. Les gens life. Ne t'ont pas dit la vérité, bon, ils pardonnent ça. Les gens ne t'ont pas dit la vérité. You were not told the truth, and he forgives this. Et il pardonne ton passé. And he forgives your il past dit, life. Mais dès ce soir. He said, starting from tonight. Maintenant que tu connais la vérité. Now that you know the truth. Tu dois te repentir. You must repent. Dieu oublie les temps d'ignorance. God forgets. I mean, he forgets the time of ignorance. Il sait. He knows que là où tu étais, that where you were, on ne voulait pas te dire la vérité. They didn't want to tell you the truth. Et il t'amène là où les gens aiment ces choses-là. Then he brings you where people love these things. Là où les gens aiment la parole de Dieu. Where people love the word of God. Il sait que si tu viens, même si c'est une seule heure. He knows that if you come here, even if it is only 1 hour, ils vont dire des choses intéressantes. They will tell you things that are interesting. Dieu t'amène. So God brings you here. Et il ouvre tes oreilles. And he opens your ears. Tu ne peux plus t'excuser. You can no more be excused. Tu ne peux plus dire que tu ne savais pas. You can no more say that you didn't know. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Troisième chose. Third thing, la conversion à Dieu. Conversion to God. Après la repentance, after repentance, l'homme, man, doit décider, must decide, qu'il va adorer le vrai Dieu, that he will worship the true God, et qu'il va le servir, and serve him. Donc il se consacre au vrai Dieu, and he consecrate himself to God, to the true God. Il épouse la volonté de Dieu. He takes the will of God. La conversion se produit quand on épouse la pensée de Christ. The conversion is produced when you take the thought of Christ. Parce que avant Jésus, because before Jesus, on faisait ce qu'on pensait.
We used to do what we thought. Et on faisait ce que le monde faisait. And we used to do what the world did. Et on était inspiré par l'esprit du diable. And we were inspired by the spirit of the devil. À la conversion. At a conversion, on abandonne les mauvaises pensées. We abandon evil truth. On abandonne les mauvaises voies. We abandon evil ways. Et on abandonne le conseil des méchants. And we abandon the advice of the wicked ones. Et on résiste à la séduction du diable. And we resist the seduction of the devil. On se laisse influencer par le Saint-Esprit de Dieu. You let yourself influence by the Holy Spirit of God. C'est pour cette raison que la parole dit, si vous marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. That's why the word says that if you walk according to the spirit, you will not accomplish the works of the flesh. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Oh, j'accepte, Seigneur. Oh Dieu, cette école au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Praise the Lord. On va continuer la semaine prochaine. Qui veut donner sa vie à Jésus? Who would like to give his life to Jesus? De façon authentique, vrai. In a genuine way, truly, raise your hand. Venez. Come. Viens. Come. Venez rapidement. Come speedily. Oh, viens donner ta vie à Jésus-Christ. Oh, come and give your life to Jesus. Viens donner ta vie à Jésus-Christ. Come and give your life to Jesus. Viens mettre fin à l'hypocrisie. Come and put an end to hypocrisy. Viens. Come. Viens. Come. Oh, rakabaka. Viens. Come. Viens donner ta vie à Jésus-Christ. Come and give your life to Jesus. Viens donner ta vie à Jésus-Christ. Come and give your life to Jesus. Viens expérimenter la conversion authentique. Come and experience genuine conversion. Ne résiste pas l'appel de Dieu. Do not resist the call of God. Paul a dit. Paul said. Oh roi Agrippa. Oh King Agrippa. Je n'ai pas résisté à l'appel de Dieu. I did not resist the call of God. Je n'ai pas résisté à l'appel de Dieu. I didn't resist the call of God. Je n'ai pas résisté à l'appel de Dieu. I didn't resist the call of God. Je n'ai pas résisté à l'appel de Dieu. I didn't resist the call of God. Peut-être que tu es là pour la première fois. Maybe you are here for the first time. Et le Saint-Esprit est en train de te parler. And the Holy Spirit is speaking to you. Et tu entends sa voix. And you hear his voice. Il te dit. He tells you. Tu vas naître de nouveau. You will be born anew. Il te dit. He tells you. Arrête l'hypocrisie. Stop hypocrisy. Lève-toi, va obéir à la vision. Rise up and go to obey the vision. Va te conformer à ma parole. Go and comply with my word. Dieu te dit, je suis fatigué par ta religion. God tells you, I am weary about your religion. Arrête. Stop. Est-ce que c'est toi? Is it you? Lève-toi et viens. Rise up and come. Est-ce que c'est toi? Is it you?
Tu déchires le voile. I tear the veil. Qui t'empêche de contempler la vision de Dieu. That prevents you to behold the vision of God. Je déchire le voile. I tear the veil. 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 Je déchire le voile. Tear the veil. Je déchire ce voile. Tear the veil. Je déchire ce voile. Tear that veil. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Lève-toi et viens. Rise up and come. Lève-toi et viens. Rise up and come. Nous pouvons continuer sans toi. We can continue without you. Mais Dieu veut que tu sois sauvé. But God wants you to be saved. Dieu veut que tu sois sauvé. God wants you to be saved. Encore deux minutes. Two more minutes. Tu as deux minutes pour décider. You have 2 minutes to decide. Deux minutes pour décider. 2 minutes to decide. Nous pouvons continuer sans toi. We can continue without you. Mais le Seigneur veut te sauver. But the Lord wants to save you. Nous pouvons continuer sans toi. We can continue without you. Mais le Seigneur veut te sauver. But the Lord wants to save you. Le Seigneur veut te sauver. The Lord wants to save you. Lève ta main, dis merci à Jésus. Raise your hand and give thanks to Jesus. Demandez au Seigneur de vous pardonner. Ask the Lord to forgive you. Dis au Seigneur, je veux croire. Tell the Lord, I want to believe. Je veux une foi vivante. I want a living faith. Une foi authentique. A genuine faith. Une foi qui transforme. A faith that transforms. Une foi qui m'introduit dans les miracles de Dieu. A faith that takes me into the miracles of God. Je veux la foi. I want faith. La foi qui vient de toi. And the faith to be delivered. Dis, oh Père, pardonne-moi. Say, oh Lord, forgive me. Pardonne tous mes péchés. Forgive all my sins. Dis, Seigneur. Say, Lord. Je comprends qu'on ne peut pas te servir. I understand that we cannot serve you. Dans le mensonge. In lie. Dans l'hypocrisie. In hypocrisy. Je t'accepte dans ma vie. I accept you in my life. Écris mon nom dans ton livre de vie. Write my name in your lame book of life. Écris mon nom dans ton livre de vie. Write my name in the book of life. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Je vous sépare de la malédiction. I separate you from curse. Je vous sépare de la malédiction. I separate you from curse. Je vous sépare des maladies. I separate you from sicknesses. Je vous sépare de tous les oppresseurs. I separate you from all oppressors. Je proclame la victoire de Jésus sur I vous. I proclaim the victory of Jesus que on tous you. Tous les esprits impurs. Let any unclean spirit. Tous les démons qui vous suivaient. The spirit of demons that followed you. Ne vous suis plus jamais. No more follow you. Ne vous suis plus jamais. No more follow you. Parce que vous appartenez à Christ. Because you belong to Christ. Vous appartenez désormais you, à Christ. You belong to Christ from now on. Christ. You belong to Christ from now on. Et tous les esprits impurs. Let all the unclean spirits. Les esprits de mort. The spirit of death. Et toute l'armée des ténèbres. And all the army. Loin de vous. Depart from you. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus. Amen. Amen. Les pasteurs, suivez-les. The pastor, follow them. Frères bien-aimés. Beloved brethren. Le juste vivra par la foi. The just shall live by faith. Mais la foi authentique. But genuine faith. Nous allons continuer. We will continue mardi prochain. Next Tuesday. Mais si tu as le cœur ouvert, but if your heart is up, is open, tu vas commencer à vivre des phénomènes. You will start living phenomena, signs and revelations. Dieu ne parle pas pour rien. God does not speak for nothing. Dieu veut nous élever. God would like to. Il veut nous promouvoir. He would like to promote us. Et il faut que ça vienne de nous, de nos cœurs. And this should come from our hearts. En lui, il n'y a pas de favoritisme.
There is no partiality in God. En nous montrant le chemin de la foi, while showing us the way of faith, il veut dire, he wants to say, je vous ai béni. I've blessed you. Mais voici le chemin. But here is the way. Je vous ai béni. I've blessed you. Mais voici le chemin. But here is the way. Donc, tenons-nous debout et disons-lui, Seigneur, nous avons compris. So let us stand our feet and say, Lord, we have understood. Prions ensemble. Let us pray together. C'est merveilleux. It is true. Amen. Amen.